Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'une mise à jour de l'application Zendure. Celle-ci est importante. Les Hyper 2000 sont désormais compatibles avec l'application HEMS, et cela depuis le 16 juin. Cependant, cette intégration a rencontré quelques soucis. Initialement, la puissance de sortie était limitée à 2400 watts, alors que la puissance de charge ne l'était pas. Cela posait un problème pour les utilisateurs d'Hyper 2000 en cluster, qui pouvaient auparavant atteindre jusqu'à 3000 watts de puissance de sortie avec l'ancienne interface. Avec l'intégration dans le HEMS, cette capacité a été réduite à 2400 watts, ce qui a causé quelques mécontentements. Heureusement, Zendure a rapidement réagi et a rétabli la possibilité d'atteindre jusqu'à 3000 watts. Pour ajuster cela, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de sécurité de l'application, de sélectionner la puissance de sortie et vous pourrez alors l'augmenter jusqu'à 3000 watts. Personnellement, j'ai pu obtenir un déblocage jusqu'à 7200 watts après validation de ma demande par Zendure. N'hésitez pas à faire de même si votre installation est conforme aux normes. Cependant, il est crucial de rappeler que c'est à vous de veiller à respecter la norme NFC 1500. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les aspects techniques, je vous recommande vivement de faire appel à un professionnel qualifié. C'est important pour votre sécurité et celle de votre installation. Je vous montrerai bientôt comment procéder en détail dans une prochaine vidéo. Je vous informe également d'une vidéo sur les promotions du Prime Day préparée par Zendure. Sera bientôt disponible. Vous y trouverez des offres disponibles sur leur site officiel avec des surprises intéressantes, ainsi que des offres exclusives sur Amazon. Restez connectés et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ces offres exceptionnelles. Les informations seront disponibles très rapidement lors de la publication d'une prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, à plus, on se voit très bientôt pour une autre vidéo. Kenavo!